Dans cette vidéo, je vais partager avec vous trois meilleures applications Android. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir ces applications. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je veux partager avec vous trois nouvelles applications Android. Et avant, si cela est la première fois que vous voyez mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-toi sur ma chaîne. Aussi, activez le bouton de la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos. Donc, on se commence par la première application. Alors, cette application est vraiment, vraiment incroyable parce que vous aidez à supprimer les fichiers stockés dans Dossier Autres. Et comme vous voyez, Dossier Autres utilise presque 80% de stockage de smartphone. Alors, on retourne à cette application, puis choisissez Analyse. Ensuite, ça va vous montrer tous les dossiers de votre smartphone. Et l'un de ces dossiers, c'est Dossier de Autres. Ici, l'application vous montre la mémoire utilisée par chaque dossier. Alors, pour supprimer les fichiers de Autres, juste appuyez sur la première dossier, puis ça va apparaître avec vous tous les fichiers de Dossier Autres. Donc, juste appuyez ici pour sélectionner tous les fichiers. Puis, appuyez sur cette option pour supprimer tous ces fichiers. Voilà. Et comme ça, la mémoire de votre smartphone sera augmentée. Deuxième application, vous aidez à enregistrer l'écran de votre smartphone. Donc, appuyez sur bouton plus. Puis choisissez l'une de ces options. Par exemple, moi je choisirai enregistrer vidéo. Puis appuyez sur commencer. Et directement l'application sera commencée de enregistrer l'écran de votre smartphone. Puis sera apparaître avec vous cette option. Donc appuyez sur l'option comme ça. Puis sera apparaître avec vous ces options. Première option pour arrêter l'enregistrement de vidéo. Deuxième option pour mettre pause l'enregistrement. Troisième option pour faire capture d'écran. Quatrième option pour ajouter des flèches, etc. Et finalement, cette option pour activer caméra frontale et de enregistrer l'écran de smartphone en même temps. Une fois vous terminé, sera trouvé ici la vidéo que vous avez enregistrée. Également, la vidéo sera enregistrée directement dans votre galerie. Troisième application, vous aidez à changer style classique de curseur volume. Je vais vous informer que tous les liens de ces applications seront dans la boîte de description. D'accord? Alors, appuyez sur « Essayer la version limitée ». Ensuite, soit apparaître avec vous cette page contient quelques options. Donc, première chose, appuyez sur « Démarrer ». Ensuite, donnez l'autorisation pour cette application. Comme ça. Maintenant, appuyez sur un bouton de volume. Donc, voilà. Forme de curseur de volume, il a changé complètement. Il y a d'autres styles que vous pouvez utiliser. Juste aller à la troisième option. Et puis, soit trouverez ici plusieurs des curseurs que vous pouvez utiliser. Donc, juste choisissez ce que vous aimez. Et puis, soit ajouté automatiquement pour votre smartphone. Et si vous voulez à modifier couleur et taille de curseur, juste allez à Options paramètres. Et puis, modifiez tout ce que vous voulez à partir de ces options. S'il vous plaît, si vous avez aimé ces applications, n'oubliez pas de mettre j'aime pour la vidéo. Au revoir à la prochaine vidéo.